Dominique, j'arrête de filmer, la vidéo est finie. Allez, c'est bon. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On est de retour aujourd'hui pour une vidéo. Maison pas des pires, Je crois que t'as genre cuisine. Ah bah cuisine. Aujourd'hui, on est de retour pour une vidéo. Cuisine. Et donc du coup, vu que c'est décembre, c'est le mois de Noël, on a décidé de faire des maisons en pain d'épices. Sauf qu'on va les faire de A à Z. C'est-à-dire qu'on va faire la pâte, on va faire la déco, on va construire, on va tout faire tout seul. Et comme d'habitude, c'est la compétition. Donc là, à partir de this very minute, on n'est plus en couple. Ok, on n'est plus en couple. On serre la main une dernière fois. Hey, c'est fini. Hey, vous allez voir que la dernière vidéo, vous avez tous vu, vous êtes tous témoins, Yanissa, je l'ai humilié. Pour moi, c'est une humiliation. Pour moi, c'était pas des macarons, c'était des plateaux, c'était des sous de verre, c'était des sous assiettes. Donc, je ressors avec une victoire. Pour moi, le dernier gagnant, c'est moi. Voilà, voilà, c'est tout. Y a pas de problème. Même LeBron, même Cristiano, même Messi, ils ont déjà raté une fois. C'est pas grave. Bref, on va commencer. Tout d'abord, on va avoir besoin de sucre glace. Merci. Nous aurons besoin de toutes les épices qui vont rentrer dans la conception du pain d'épices. Donc, il y a la cannelle, la cardamone, il y a des clous de girofle. Il y a vraiment de tout. Cannelle, gingembre. Gingembre ? Oui, gingembre. C'est à quoi ça serait le gingembre ? Ça sert à quoi ? Ils savent. Et la cannelle, c'est très important la cannelle. La cannelle, et la cannelle. La cannelle, tiens, cannelle. Ensuite, on aura besoin de farine levante. Donc la farine levante, c'est la farine à gâteau qui va permettre d'avoir un cookie bien moelleux. Bien moelleux et bien levé. Comme voilà, dit exactement. Le nom, farine levante. Exactement. Nous aurons besoin de sucre roux. Sucre roux juste ici. Ça sert à faire ça sert. Et ensuite, nous aurons besoin de miel. Miel. Honey. Alors, j'ai fait exprès. Honey. Eh, je ressens pas une pub de pâtisserie. I love you, baby. You're so fake, you too, man. Donc, le miel. Miel, lune de miel. Oh, c'est bien ça. Oh, lune. Ah, on est. Oh, okay. on est séparés. On est en couple. Là, j'ai voulu faire une entorse. Et après, on aura besoin de tous les trucs de décoration. Voilà, déco. Donc, on a pris. Bah, elles sont nos petites décos de Noël, là, chez les amis. Ah, t-shirt. Il y avait pas que ça, il y avait deux paquets. Non, les autres, ils sont perdus, t'inquiète. Non, il y avait des petites bottes de Père Noël et tout. Dominique, de toute façon, attends, ça arrive après, y a pas de problème. Je sais que je les ai cachées, y a pas de soucis. Donc vous prenez toutes les décorations dont vous avez besoin pour décorer vos petites maisons de pain d'épices. Ça c'est pour moi et toi tu fais ce que t'as. Ça tu vois, ça c'est à moi par exemple. Ça c'est ma balance. Et puis on peut commencer cette vidéo, madame. On a déjà préparé notre farine au préalable parce qu'on avait de la farine de côté, donc pour pas gaspiller, on a réutilisé. Donc en gros, il faut 450 grammes de farine. Attends, moi c'est je les parfait. Ai pas. Moi je les ai pas. Moi je vais remesurer juste pour voir si c'est bien la bonne dose. Normalement, ça devrait être bon. On est à un peu moins de 450. C'est bon. C'est combien déjà? C'est combien? C'est 450 grammes de farine. 400, non. Déjà, pourquoi je te dis, mais 450, ouais. Mais t'as juste. Oula, j'en ai mis 500, j'en ai mis. Attends, mais pourquoi j'ai remis dedans? La cannelle, donc la cannelle, il faut une cuillère à café. J'ai pas de cuillère à café, c'est bon. T'as fait quoi dans mon truc? Mais je suis archi concentré. Donc, il faut quoi? C'est ouf. 452, allez. Une cuillère à café de muscade. Ensuite, en fait, il faut mélanger tous les aliments secs, ok? Ah, donc, on va mettre d'ailleurs une cuillère à café de muscade. Une cuillère à café de muscade. La muscade, elle est où? La muscade, elle est où du coup? La muscade. Ah, elle est où la muscade? Je pense qu'elle est là. Hop, hop, hop. Ok, je m'en fous, j'en ai pas besoin. Servir, madame. Je prendrai après, y'a pas de problème. Et là, franchement, je vous jure, Yanissa là. Oh punaise. Bon, c'est bon. Allez, une cuillère à café. Yanissa, je te jure qu'aujourd'hui, je vais te battre. Cannelle. Tu peux me donner la cannelle, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais? Mais là, l'argent, putain. Dominique, je t'ai rien demandé. Mais là, il y a plus d'une cuillère à café. Je t'ai rien demandé. Cuillère à café de muscade. Dominique, tu peux me donner la muscade? En fait, c'est pas parce que tu veux commencer à cacher les ingrédients que. Okay. Alors, t'es un mauvais joueur, toi. Donc, je mets ma muscade et. Bon, j'en ai trop mis, j'en mets un petit peu dans ton truc. Tiens. J'en ai trop mis dans mon truc. Alors. Ça commence, tu veux tout niquer on déjà. On mélange ensuite une cuillère à café de gingembre moulu. C'est parti. Je te fais une pincée de sel, je pense. Non, je t'ai pas demandé ta pincée de sel. Walale, walale, walale. Mon ami, la cochina, la cochina. Une cuillère à café de cardamone. Il est où le cardamone? Non, éternue là-bas. Attends, ça part. Ouais, bah, casse ça, ta. Ensuite, du coup, nous aurons besoin de 375 grammes de sucre roux. Moi, je fais plus à vue de nez, maintenant c'est fini, ouais, les cuisines à vue d'œil. C'est fini, nini. Ah, mais ça fait beaucoup de sucre quand même, attends. Clou de girofle, comment tu fais? Ouais, j'arrête, là. Ils disent clou de girofle moulu, mais en fait, les clous de girofle, c'est en bâton comme ça. Vas-y, je peux. Mais qu'est-ce que tu fais? T'en mets partout, là. C'est comme ça qu'on cuisine. C'est pas comme ça. Voilà, allez.
ça paraît beaucoup quand même, 375 grammes de sucre. Hein. Attends, 375 grammes de sucre? Ouais. Mais c'est pas des pistes au diabète ou quoi? Ça, c'est quoi ce bordel? Je sais pas, mais je sais pas. T'as pris tout le sucre, il y en a même plus assez pour moi. Allez, vas-y, il y a une ça, c'est que le dernier truc. Hein. La tête d'homme, elle a pris tout le sucre roux. Comment ça, j'ai pris tout le sucre? C'est une dinguerie, t'aurais pu couper la boire en deux. Et pourquoi des trucs qui marchent pas? Bah, j'ai pris ma dose que j'avais besoin. Tu vois? 375 grammes. Tu vois, tu utilises ta technologie, tu sais même pas comment utiliser là. Mais tu vois, un vrai chef cuistot, un vrai pâtissier, il préchauffe le four avant. Et c'est ce que je vais faire. Faire chauffer miel, beurre. Damn! Je me suis fait avoir. Le sucre, il fallait pas le mettre dans la farine. C'est pas grave. Yes. Donc, oh yes! 170 grammes de miel. Ouf, 175. Donc t'as fait comme ça. Bon, ça, je peux pas. Qu'est-ce que t'as fait? Tu fais quoi? Je suis à vue de nez. Moi, je fais plus à vue de nez. Maintenant, c'est fini. À vue de nez? Non, mais elle a pas compris la leçon. Une fois, c'est tout. Encore non. Un peu. Oh, je mets le beurre. Donc, je mets le beurre. On met le beurre dans le miel. Ah, j'en peux plus d'entendre le bruit de ta balance. Mais arrête d'être jaloux de ça. Ah, je comprends rien, j'avoue, je comprends rien. Attends, mais je comprends rien la recette. Donc, il faut combien de beurre? 115 grammes okay. De beurre. 25 plus 25 plus 25. Attends. 115, ça fait presque la moitié du beurre là? Ça fait beaucoup quand même. Mais attends, il y a le pain d'épices là. Mais le pain d'épices après, c'est gras quand même. T'as jamais mangé du pain d'épices? En fait, pour tout vous dire, le pain d'épices, j'aime pas ça. Ouais, pain d'épices, ouais, donc, ouais. Allez. Oh non. Qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est trop. Mais ce mec là, est-ce que moi je lui ai demandé son avis? Est-ce que j'ai demandé l'avis de quelqu'un? Tu fais n'importe quoi, mais bon. Il faut faire chauffer le beurre avec le miel, ensuite on mélange les deux préparations. Donc il faut faire chauffer le beurre avec le miel, ensuite il faut faire mélanger les deux préparations. On a investi. Action, 15 euros. Batteur électrique, c'est fini les grumeaux. Waouh, et le mien, il est où? Mais ça, c'est le mien, ça. Tu peux lâcher, tu il peux est lâcher. Où, le mien, il est où? Le mien, tu il est débrouille. Où? Non, moi, le mien, j'ai levé mes fesses, j'ai pris ma voiture, je suis parti à Action, j'ai acheté le batteur. Je vais à Action, je reviens. Bah, au revoir. Dans une demi-heure. Ok, à tout à l'heure. On branche. Yes. Ok. Voilà. Oh, je pas fait exprès. En plus, t'as mis une épice qui est même pas bonne. Non, vas-y, la vidéo. Eh, c'est mort. Allez, exprès, vas-y, c'est bon. Allez. Je pas fait exprès. Allez, tiens, Dominique, t'as déclaré la guerre. Je te jure que j'ai pas fait exprès. T'inquiète pas. J'ai mis du gingembre. Je vais mélanger. Pour être plus précis. Ajouter le zeste et les œufs. Ils sont où les citrons? Eh, c'est normal que ça fasse des petites boulettes là. Mais il est où le citron? Ils sont les œufs. Voilà, on envoie Dominique faire les courses. Attends, mais c'est dingue, parce que je l'avais, j'avais acheté le citron. Les œufs. Voilà, t'envoies les mecs faire les courses. Faut séparer le jaune et le blanc. Tu demandes quelque chose. Faut séparer le jaune et le blanc. Où t'as vu ça? Un œuf et un jaune d'œuf. Ah oui, non, t'as raison. Ah, voyons alors. Vas-y, Dominique. Quoi? Tu dois mettre le jaune d'œuf dans ta préparation? C'est facile. Tu veux que je te remontre encore une fois? Ouais, attends, vas-y. Je dois encore vous remontrer comment casser, ouais. Comment on sépare. Vas-y, allez. Donc, comme je dis la première fois, ouais. Pour séparer un jaune du blanc, faut le balader de coque en coque. Et ensuite, le jaune, vous le prenez. Donc, le jaune, vous le prenez et vous le mettez à part. C'est bien. Bravo, t'as évolué dans ta vie. C'est pas grâce à toi déjà, c'est grâce à moi et mes compétences personnelles. Thank you very much. Mais il est où le citron? Il faut mettre le citron. Eh oh. Allez. Ils ont dit deux citrons. Ouais. Il y a encore du citron pour moi? T'as remarqué ou pas? C'est des citrons bio. Oui, super. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me regardes? Je coupe juste mon citron. Et attendez, mais ça, si j'ai fait une dinguerie et tu me regardes faire. Mais je t'ai pas fait une dinguerie. T'as pas fait une dinguerie? Pourquoi tu dis t'as fait une dinguerie? Et ça, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Deux citrons? Putain! Et ajouter le zeste et les. Putain de merde! Oh putain! Mais elle m'a même pas dit! Ma vengeance accomplie! C'est pas bien, Insa! C'est bon, c'est bien, c'est un pain d'épices au citron, c'est bien! Oh là là, c'est trop beau! J'ai pas mis mon œuf entier, hein. Non. Ça, c'est ton œuf, ça? Mamma mia. Goûte, s'il te plaît. C'est acide, hein. Ben oui, j'ai mis du citron. Tu me laisses mettre du citron alors que c'est un zeste de citron. Et t'as remis un autre œuf entier. Ça fait deux œufs entiers que tu mets. Tu m'as dit que j'avais pas mis encore mon œuf. Non, ça fait deux œufs entiers que tu mets. T'es vraiment méchant, toi. Vas-y, tiens, là. C'est pas bien ce que tu fais, Dominique. Je t'ai demandé, je t'ai posé la question. Tu m'as dit non, pas grave, ce sera plus mieux. Pendant ce temps, donc ça, normalement, on doit le mettre dans le frigo, congélateur.
Ouais. On dirait de la patate churros. J'ai fait un citron géant, frère. Vas-y, c'est bon. Là, je suis dégoûté. C'est pas grave, Dominique, tu peux rattraper. Donc là, ils ont dit, en attendant, il faut... Qu'est-ce que tu fais? J'ai goûté ma pâte, t'es bizarre, toi. Mais non, mais t'approches pas de moi, t'es trop suspect, toi. Je vais toi avec ton cake au citron, là. Oh non, mais dis pas ça, wesh. Bah, c'est un cake au citron. Ouais, je fais un cake au citron, là, vie de ma mère, frère. Voilà, t'as fait un cake au citron, ta mère. Mais tu vois, un grand cuisinier, même s'il a pas le moral, il continue à ranger, tu vois, autour de soi. Ouais, t'as rangé pendant combien d'épisodes, t'as jamais gagné? De ouf, il est peut-être citronné, mais je vais gagner. Aïe! Ils ont dit qu'il faut le mettre au frais et en attendant, il faut monter la maison. Moi, je vais vous dire, c'est quoi la différence entre un vrai cuisinier renommé et un amateur? Ouais. Regardez, même ça, je vais couper en deux. On verra à la fin. Et un côté sale. Regarde, même la plaque de cuisson, je la coupe en deux. Ton côté, il est sale et mon côté, il est propre. Emporte-pièce pour faire la petite maison dans la prairie. Ah, donc, c'est dedans, comme ça. On a la petite porte, on a le petit sapin et on a la petite maison. Mais tu sais quoi, il y a la notice derrière, je vais même pas prendre la tête. Pourquoi tu prends le mien? Non, tu vois, tu voulais m'avoir. Je t'avais pas parlé comme ça, je vais t'avoir. Eh, ton gâteau, il va avoir un goût acide, amer. En plus, il y avait écrit deux. Je vois, il y a écrit deux citrons. Moi, je dis, c'est deux citrons. C'est une dinguerie sous le mais il y avait écrit deux zestes de citron. Les produits sur mon plan de travail, là. Oh, non, là, t'es con, quoi. Donc là, vous voyez, ma pâte, elle a bien refroidi, je l'ai bien mis dans le congélateur. Ce qu'on va faire, c'est que je vais disposer ma pâte sur le papier sulfurisé. Et ensuite, je vais bien aplatir pour que ça fasse une épaisseur de 5 cm. Et je sais plus, il faut mettre combien de temps dans le four, par contre, je sais plus du tout. Alors là, une pause. C'est ma technique de roi. Ce petit goût citronné, là. Petit goût. Ah, c'est le goût principal. Là, je vais mettre deux papiers sulfurisés et ensuite, on va aplatir et faire une épaisseur de 5 cm. 5 cm, c'est énorme. Hein. Oui, quoi? Ah, vas-y, tu manies bien le rouleau, toi. Don't touch me, please. Donc là, ça va faire deux maisons comme ça. Ça fait ça, ça. On est d'accord. Ensuite, ça fait ça plus ça. Ensuite, ça fait ça. Ouais, ça, faut que j'agrandis un peu. Déjà, ça, c'est quoi le truc zigzag là? C'est les toits. Ouais, j'ai capté. Ça fait ça, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais derrière moi? Ben, je regarde, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Mais chaque fois que tu bouges, j'ai l'impression que tu manigances quelque chose. Il est malade, ce mec. T'es parano, la vie d'homme. Oh là là. Ah, c'est trop beau. Quoi? C'est pas bien. J'ai fait quoi? Stop. Stop, dit-il. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Donc ça, je le décolle. Hop. Allez, décolle-toi. Eh, magnifique, hein. Ouais. Ma pâte, elle est plus belle que la tienne. Ouais. Je le mets dans le four. Viens m'aider? Vas-y. Tiens. Voilà. Dominique, j'arrête de filmer, la vidéo est finie. Allez, c'est bon. Tu vois, je me donne du mal, je fais des trucs comme ça, vas-y. Vas-y, non, t'es juste un gros rageux, c'est pas grave. Bah tu vois, j'ai dit de prendre le mien au final. Dominique T'as une graine là? On en fout de ma graine. Attends, mais il y a une salle sur le... Dominique. Donc faut pas... Dominique, si aujourd'hui ça touche ma pâte, je te jure, je vais dans le four, je mets de la cannelle ou du gingembre dans ta pâte. Yenza, il faut Dominique. Pas oublier qu'il faut que t'as des formes à faire. Ok, allez, c'est bon. Quand ça va sortir, je vais saupoudrer. Non, s'il te plaît. Ok, on va voir. Non, faut pas niquer le truc du gingembre. On m'en fout. Toi, tu niques le mien. Mais oublie pas, je peux quand même penser... Aïe. Ouais, c'est ça, je t'ai touché, ouais, menteur. Non, sérieusement, oublie pas qu'il faut quand même positionner les toits, les trucs. Pour que... Je t'ai rien demandé, je sais pas, je comprends pas. Tu veux faire le mec qui aide là, tu veux juste foutre la merde dans mon truc. Ouais, mais ça c'est pas qu'il est trop grand, ça va jamais rentrer dans le four. Hein. Je t'ai rien demandé. Moi, un drapeau, bon, au pire ça se coupe, au pire. Ouais, je m'en occupe. Je t'ai rien demandé. Je sais pas, t'as pas des trucs à faire, je comprends pas, t'as pas une vie. Pour l'instant t'as pas... ça cuit là. T'as pas moi, personnellement... T'as pas... Oh lolo, regarde comment ça gonfle. C'est trop beau. Attends, parce que ça me stresse un petit peu. Mais j'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. En dessous, ils sont intelligents. C'est pas assez, il faut que t'étales. Étale plus ma chérie, étale. Là, plus vers là-bas. Plus vers là. Je t'ai rien demandé, mais c'est fou ça. Voilà, et plus vers ce côté aussi parce que t'en as beaucoup. Voilà, tu vois quand tu veux. T'es intelligente quand tu veux. Ah, c'est bon je crois. Non, mais d'accord. Donc toi dans une maison, il n'y a qu'un mur. Ah ouais.
Comment tu optimises ta place là? Mais j'optimise là. T'as tout, un toit là, t'as fait un toit comme ça. Mais prends comme ça. Ça fait ça, ça, plus ça. T'as pris toi comme ça. Tu remets comme ça, un toit ici et un toit ici. Il y a quoi de compliqué? C'est bien. Oh là 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 là. Hey, j'ai encore gagné. Hein. Je le sens que j'ai encore gagné. Je sais pas pourquoi je le sens que j'ai encore. Ah, 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 c'est chaud. Ah, ah. Ici. T'as brillé. Ouh. Ouh. Ah ouais! T'as vu? T'as vu, c'est bien dur? Maintenant, il faut faire le glaçage et le collage, et du coup, on va. Le glaçage? Bah oui, c'est le glaçage, il y a un glaçage. C'est quoi ça? Je te laisse, oh, je te laisse. Un glaçage? Chacun sa merde, chacun sa merde, chacun sa merde, Oh, ça se décolle trop bien. Ah, donc je vais le mettre au frigo après la cuisson. Je vais le mettre au frigo après la cuisson, t'es sûr de toi là? Oui. Alors, je suis pas fou. Oh putain, non, ça s'est cassé. Pourquoi ça s'est cassé? Maintenant, il faut 450 grammes de sucre glace, mais il n'y a pas assez. Voilà. Je dis... c'est 500 grammes, ça? Non. Quoi? Tout? Non, ils sont fous. Moi, je mets pas tout ça. Je mets une moitié. Donc attends, mettre au four à 150 degrés. On va en neige. Une fois les biscuits obtenus, il reste qu'à rassembler. Non. Oh là là. Et action. Non, action. Il est déjà mort. Je suis choqué là. C'est pas possible. Le truc il doit être trop chaud ou je sais pas. Le matériel nous lâche. Je vais investir pour les vidéos cuisine. Un batteur chacun. Le matériel il est cassé. Purée, action. Non, c'est pas possible. C'est pas ça, possible. C'est à moi ça. T'as cassé le tien là, juste avant. Vas-y, c'est à toi de quoi. Vas-y. Vas-y, dis-moi c'est à toi de quoi. Je suis trop fort. Je suis un tueur. Je suis un tueur. Excusez-moi, mes blancs en neige, les blancs en neige de Yanissa. Je voulais juste mettre cette petite parenthèse là. Je suis désolé. Allez. Yanissa, Yanissa. Oh. Dégage. Ah. Vous savez, Yanissa, elle a jamais réussi à monter des blancs en neige. Elle a jamais réussi. J'ai réussi, regardez, regarde. Yanissa. Donc, il me faut une assiette. Alors, sur son nid plat noir, je vais monter la maison. On va monter la maison, donc, comme ça. Ok, c'est bon, t'es capable de le faire. C'est bon les blancs neige. Il y a une certaine, comment je vais appeler ma maison? La maison de Charlie la chocolaterie. Pour ceux qui regardaient la Charlie la chocolaterie, ils ont la ref. Elle est pas super, elle est pas super la maison de Charlie la chocolaterie. Et ça, après, je les ferai après. Couteau. Allez. Voilà, une belle maison, un joli toit comme ça. Voilà. Pour commencer. Parfait. Eh, oh, attention. Je prends un peu de sucre glace là. S'il te plaît. Faire de la neige. T'as pas pensé à ça, hein? Oh non. Viens. Allez. J'ai cassé mon toit. Oh, le charpentier. Non, 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 s'il te plaît. Tombe pas. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Non! Je n'ai pas rigolé, mon Dieu, pardon. Viens se mettre à deux sur une maison. Jamais. Non, non, mais wesh. Mais comment ça se fait? C'est tombé, wesh. Mais j'ai tout bien fait. Ça veut pas tomber comme ça. Ok, j'ai trouvé une technique. Je sais ce que je vais faire. Je mets des cure-dents. Ma maison, elle ne tombera pas. Elle ne tombera pas comme celle de Dominique. Ça, c'est le malheur de P. Didi, en fait. T'as capté? J'ai envie de faire la porte. Ça, c'est le malheur de P. Didi, maintenant. Ah, j'ai trop le seum. Ah, j'ai trop le seum. La tête d'homme, c'est trop beau. La tête d'homme, j'ai fait une baraque. Oh la maison. Quand tu la regardes comme ça, ça va, regarde. Oh, je porte plainte. Je vais décorer, faut que je rajoute de la neige, en fait, c'est ça. Ah ouais, voilà, vas-y, on va rajouter de la neige. Là, ça, regarde, il y a une sarre, ça va quand même, regarde. Mais c'est bon, t'as gagné, c'est bon, je sais, t'as gagné, c'est bon. C'est bon, ok, c'est bon, stop. T'as gagné, on est plus dans la compète. Je vais mettre une patate, je te jure, je vais mettre une patate dans un des toits. Je vais mettre un coup de poing dans le toit. Dégage, dégage. Alors réponds-moi, t'as gagné, mais aide-moi. De la neige. Purée, comment je suis fier de moi maintenant. Non. Regarde, au pied de la porte, il y a de la neige, au pied de la porte. De toute façon, t'as que ça pour cacher la mocheté. Hein. C'est pas cacher de la mocheté, c'est pas cacher la mocheté. Voilà.
Non, Dominique, moi, je suis désolée. Hein. Là, tu fais n'importe quoi. S'il te plaît, je t'ai rien demandé. En fait, je crois que j'ai gagné. Hein. Ce gars est malade. Mais j'ai gagné. Ce gars est malade. On dirait une maison du crime, Dominique. C'est quoi ça? On dirait une maison d'Halloween. Jalouse. Ta porte, on dirait du sang. Sur ma vie. Ah, je suis ému. Franchement. Ému? Ouais. Non, mais en fait, j'aime bien. Et en fait, tu sais quoi? J'ai toutes mes chances face à toi. Je peux voir toi? Moi, non, j'aime pas trop. Inza. T'en penses quoi? C'est mignon, en vrai. J'ai perdu. Zigzag. J'ai perdu, je le sais. Je suis trop fort. Laisse-moi faire l'autre côté. Non. S'il te plaît. Non. Must be me scribble. Maman, must be. Trop belle. Regardez-moi ma maison. Elle est largement mieux. Avec une porte un peu ensanglantée, c'est pas grave. Regardez, je suis désolé. Le toit, il est mieux. Et là, regardez, le dos de ma maison, il est très beau. Voilà, il est très beau. Même si ici, il y a une ouverture, c'est pas grave. C'est pour l'aération parce qu'il n'y a pas de VMC à l'intérieur. Donc, j'ai fait une aération exprès. Donc, voilà, je trouve ça très beau. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Il manque un locataire dans la maison. Voici nos créations. Alors chez moi, il y a un locataire. Moi aussi, chez moi, il y a un locataire. Il y a une porte, parce que lui, on ne sait pas combien il rentre chez lui. C'est une porte. La porte n'est pas ouverte. C'est une porte. Non, bah non, alors, la porte, elle est fermée. Moi, il y a un cadeau et un sapin de Noël. Et toi? Moi, il y a un toit décoré. En fait, ma maison, en fait, elle est tellement belle qu'en fait, c'est pas des flocons qui tombent sur cette maison. C'est des paillettes, c'est des vermicelles, c'est des cœurs. Comment tu trouves ma maison? Moche. Non, Dominique, sois honnête. Non, elle est incroyable. Sois honnête. Elle est incroyable. Ok, d'accord. Elle est incroyable. Ok. Toi, t'as camouflé comme tu pouvais avec ta crème. Oui. Moi, j'ai fait des tuiles, des iguangouins. Je suis quand même content parce que dans cette vidéo, j'ai réussi à monter des blancs en neige avant Yanissa. C'est bien. Mais moi, j'ai réussi. Moi, c'est bon. Avant Yanissa, c'est bon. Yanissa, elle a jamais réussi à monter des blancs en neige. J'ai réussi à faire ça avant elle. Merci. Donc, moi, comment je trouve ta maison? Bicoque. Farine à chocolaterie. Squat. Voilà. Donc, voilà. À vous de nous dire ce que vous en avez pensé. Vous préférez la maison de Domi ou de Yanni? J'espère que vous êtes Team Yanni parce que là, sinon, vous êtes des menteurs parce que c'est la maison à Kylie Jenner, en fait. Non. Donc, on s'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois, j'ai gagné. J'ai gagné. Yeah!